Hello tout le monde, c'est Link et bienvenue voilà, sur ce live. Alors j'ai eu un petit fail, j'ai un peu parlé du God and Evil. Donc parce que j'ai oublié de mettre en route l'enregistrement. Donc nous avons joué ce soir à, comme je l'ai dit, Beyond God and Evil 2, Evil, juste le 1, pas le 2, parce que le 2 est pas sorti, on sait toujours pas la date de sortie, on sait juste qu'il sort en 2018. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, on y va. Voilà, depuis le temps que vous attendez, on va pouvoir enfin y jouer un jour, non? Merde. Donc hop, je lance le jeu. Si ça marche, est-ce que ça marche? Parce que j'ai tout bien configuré. Si c'est comme le truc des follow et que ça marche pas, c'est que je vais péter un câble. Ah, alors le jeu se lance. C'est déjà ça. Non, attendez, 30 secondes. Le jeu se lance. Pika, dis-moi si le jeu est bon ou pas quand il sera là. Le chat, je vais un peu le remonter parce qu'il y avait un problème. Voilà. Donc dis-moi si le jeu, dès qu'il est lancé, tu pourras me dire si c'est bon ou pas. Si tu vois un truc. Déjà, il faut qu'il se lance. Il a pas l'air de vouloir. Je reviens dans 3 ans. Allez, salut. Pourquoi dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu reviens dans 3 ans, oh? Mais non, reste. Je t'ai fait peur, c'est ça? Bon, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein. Bon, voilà. Ce live, c'est le live du fail, comme vous pouvez voir. Je fais des trucs, ça marche pas. Même pas. C'est complètement n'importe quoi aujourd'hui. On voit le mec, ça fait longtemps qu'il a pas fait de live, alors que ça fait vendredi, mais c'est pas grave. Bah, je vais relancer une deuxième fois s'il veut. Lance-toi, s'il te plaît. Ah bah voilà, mon chat qui rebug. Enfin, qui rebug. Ouais, il y a des problèmes d'internet, putain. J'ai pas envie de faire ça en 4G, après j'aurai plus de 4G, merde. Donc si vous mettez des messages et que je les vois pas, je suis désolé. Et bah enfin! Enfin il s'est lancé, alors est-ce que vous avez un truc? J'en sais rien du tout, déjà faut que je réponde. Voilà, j'espère que le son n'est pas trop fort, qu'on m'entend bien. Pika, dis-moi tout ça, s'il te plaît. Si t'es encore là, bien sûr. Parce que vu que tu m'as dit oui, je reviens dans 3 ans. Voilà. Alors on va jouer en italiano. Voilà, parce que moi, il est italien. Oh l'enfoiré, il m'a pris italien. J'ai cliqué sur italien sans faire exprès alors que je voulais voir si tout marchait bien. Oh merde. Parce que fallait bien dire une date au hasard. Ah d'accord, ok. Mais moi je remets le chat parce que le chat ne marche pas chez moi. Ouais, ok, alors je reviens 31 août 2017 pour voir si ma théorie sur l'éventuel pouvoir de Chloé et Rachel sera vraie. Le son est trop fort. Ah ok, le son du jeu ou mon son à moi? Le son du jeu, je pense. Je l'ai baissé, voilà, pour exprès pour votre belle... pour vos oreilles, parce que j'ai pas envie que vos nains aient trop fort un peu. Bah voilà, je vais un peu baisser, j'espère que ça ira cette fois. J'ai pas vu ta vidéo, j'ai pas eu le temps de voir ta vidéo sur Life is Strange. Donc je les reverrai après ce live, promis. Je mettrai même un commentaire si j'arrive à trouver un truc à dire. Lol. Mets un petit message de Pika, parce que j'ai envie de voir si mon chat marche ou pas. Parce que sinon ça me casse les couilles s'il marche pas. Oh, ça peut partir. Je vais enlever plein de trucs chez moi. Vous avez dû entendre le son de Skype se fermer. C'était marrant. Il y a que ça que je... Oh putain, que je peux enlever. Il y a Wizbot qui m'a envoyé un message, je l'ai pas reçu. Mais putain, mais pourquoi ça bug? Ah bah voilà, le truc qui bug sur mon téléphone, le chat, super. Ah voilà, Twitch a complètement bugué sur mon téléphone. Merci Twitch. Ah là 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 là. Discussion instantanée, connexion, connecte-toi, voilà. Et vas-y, envoie un message maintenant. Parce que j'aimerais voir, parce que voilà. J'aimerais avoir un bon live pour une fois, merde. Ouais. Donc voilà. Le live du fake, j'ai envie de dire. Putain, je suis reparti en 4G, mais putain, mais ta mère, pute. Je m'énerve. Ça m'énerve dans ma chambre que je capte pas trop la wifi. Ça m'énerve beaucoup.
Parce que ça fait que j'ai la moitié des discussions. La dernière fois, j'ai mis en vente un pote qui était venu sur mon live, mais comme j'ai pas vu ses messages, bah, j'ai pas pu lui dire bonjour. Voilà, super, merci, merci bien. Donc, allez, on va se lancer. Le son est trop fort, j'espère que là c'est mieux. Et donc, je comprends rien ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut au moins changer la langue? On va. On peut même pas changer la langue ici, donc je vais devoir quitter le jeu pour le remettre. Si, parce que non, on va pas quand même jouer en italien. Oh. Je suis de retour de 2020 et je te préviens, tu n'auras pas besoin d'acheter le calendrier 2018. C'était comment en 2020? Alors bug, voilà, allez. Voilà, cette fois-ci devrait marcher. Et cette fois-ci je prends bien français. Et j'espère que le son est mieux. Alors je fais par Ubisoft. Bien sûr. Ouais, on prend français. On arrête les conneries ici, on prend français. Je vais quand même un peu baisser le volume dans le. Dans le jeu, voilà, comme ça. Oui. Et on va faire une nouvelle partie, parce que voilà. La guerre est aux portes d'Ilis. Oh mon dieu! Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez. Bon, les graphismes ont un peu vieilli, je vous rappelle que le jeu date de 2003. Donc on va pas en vouloir pour les graphismes. Voilà. T'as pas besoin de savoir, tu n'y seras pas. Ah bah c'est gentil, merci. Merci. Alors on fait du yoga, parce qu'on contrôle la fille de droite qui s'appelle Jade. Alors le jeu, je m'en souviens vaguement. Mais vraiment, mais vaguement. Je me rappelle, il est sorti sur GameCube, sur PC et d'autres plateformes que je me Il souviens pas. arrive! Vite, Fenn, saute! Allez, go, 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 go! Et voilà, c'est Jade, je vous l'avais dit. Je suis trop fort. Très bien, Paige. J'active le bouclier. Ouais. Allez, allez! Yes. Bouclier activé. Ah bah non. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre sur compte, votre compte Optima. Optima. On dirait moi à la fin de moi avec ma banque. Merci de votre compréhension. Lol. J'espère que le son cette fois-ci est bien. Entre ma voix et. Entre ma voix et le son du jeu. Ah, c'est con. Ah. La musique, elle est trop bien, la musique dans le jeu. Ah bah je pense qu'ils sont emprisonnés. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils sont emprisonnés. Et comme par hasard, on a un bâton en feu. Ça commence déjà. Donc, on est direct en combat. Alors, vous allez entendre ma... Vous allez entendre, je pense, ma souris... J'ai perdu un cœur, super. Enfin, presque un cœur. Go, 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 go. Ouais, lui, il est mort. Salut, comment vas-tu? Mais Pika, mais c'est fini? Parce que j'ai vu un flash blanc. Pourquoi c'est ralenti comme ça? S'il vous plaît. Voilà, on est dans le feu de l'action, on a un ralentissement. Mais moi je vais très bien, et toi Pika, est-ce que tu vas bien? Je sais pas pourquoi le jeu a décidé de ralentir, mais j'en sais rien. Alors qu'il marche très bien en live. Ah, c'est con. Oh my god, non, je n'en ai pas besoin, pas besoin. Je regarde des regards, j'ai réussi à survivre.
de moins de 18 ans, il y a des tentacules. Donc si vous avez moins de 18 ans, quittez ce live. J'ai jamais demandé de mettre le jeu en version alien. J'ai pris français et merde. Ah, ce cochon. Page. Page. Tout ça, Jade. Les Dooms se frappent de plus en plus près de... et de plus en plus fort. Une perle, tu crois que... Bien sûr, tu peux la prendre, c'est précieux. Besoin d'un remontant? Pas du tout. Parce que sinon, je vais plus rien avoir à bouffer, moi. Quittez. Alors, je vais prendre la perle. Oh, et donc, voilà, vous allez avoir ce jeu jusqu'à jeudi. Enfin, jeudi, je sais pas si je vais pouvoir faire... Si je vais pouvoir faire un live jeudi. Mais jeudi. Mais au moins lundi, mardi, mercredi. Vous allez voir ça. Jeudi, je sais pas trop. Voilà. Alors on a ça. On scanne. Une perle d'Aramis. Bravo, Yann. Ce mec. Mais fais gaffe. Il t'a fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Je kiffe la voix de cette personne. Ah putain. Alors, il y a plusieurs perles à trouver. Il y en a une quarantaine, je pense, si je me rappelle bien. Ou une cinquantaine. Putain, il y en a trop. Bon, il y a 88 perles à trouver. Donc, voilà. J'ai le monstre Dooms du phare. Donc, je pense que c'est un jeu qui est quand même assez long. Pika Yolo a quitté le chat. Section Alpha, patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Et lui qui arrive à la fin. Lui qui arrive à la fin, mais n'importe quoi, monsieur, mais n'importe quoi. Merci du coup de main. Je vous en prie, mademoiselle. Les devoirs des sections alpha est de protéger chaque citoyen d'Ilis. Il a servi strictement à rien, et lui, qu'est-ce qu'il va? T'y vas? À toi l'honneur, j'aime pas trop leur ascenseur moderne. Alors, je vais pas lui donner de remontant, comme je te dis, parce que j'en ai que deux. Merde. Ah, il faut appuyer sur la... Je sais pas avec quelle touche faut appuyer. Et voilà, on monte. Ici, sur Ilis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge donc du Donc toi qui me demandais si c'était un jeu d'horreur, tu peux voir que c'est pas un jeu d'horreur. Les parents ont été capturés par les Dooms, sont retenus par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Oh. Continuez à vous la couler douce. Et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupé. Hey, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Oh putain, go. Pépé. Merci, Paige. Sans toi, je... Ah. Ah.
de chaleur. Chocolat. Pourquoi chocolat? Il y avait du chocolat. Ou alors c'est parce que je bouffe des M&M's. Je sais pas pourquoi tu dis chocolat. Elle se réveille. Comment te sens-tu, ma petite? Ça va, Paige. Ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Ah, merde. Ma écoutez-moi, oh, c'est pessimiste. Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour les frics. Segundo, on est bloqué ici. Pas d'overcraft, pas de bouclier. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, hein, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. Écoute un peu, la directrice du centre scientifico, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Elle répond de ton nom de Bella. Segundo, faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Ça, c'est vrai. Tu comprends rien à rien, hein, les porcs. Le contrôle des espèces, c'est important. Jade, récupère ton appareil back et tu vas voir si les Segundo... J'ai faim, vite, un chewing-gum rose. Ah, merde, c'est qui? Ciao, Bella. J'ai m'en vais. Jade, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. T'es sérieux, Pika? Alors voilà. Alors je vais prendre cet appareil photo quand même un jour. Appareil en phase. Ok, Yad, c'est à toi de jouer. Alors je regarde les commandes. Ok. Avec ça et je dézoome avec ça, ok. Et je prends la photo, voilà. C'est un Adalia Octopun Tata. Opuntu. Octopun Tata. Bonjour Jade. Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Et je gagne 150. Ça c'est cool. Et voilà, et là on a toutes les photos. Au bout de 8 photos, je te transférerai un zoom numérique. Voilà. Au bout de 8 photos, je te transférerai un zoom numérique. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il faut 8 photos pour avoir ce zoom numérique. Donc on va essayer de se les faire. Je sais plus du tout le bouton pour manger. Ils nous auront tous, ces sales d'hommes. On va tous y rester. Ah, ça, c'est le... T'inquiète pas. Ici, dans le phare, vous êtes à l'abri. Comment on fait pour manger? Chargement option, objectif. Alors objectif. Photo. Ok, il faut faire que des photos d'animaux. Non, attendez. Mail. J'ai pas de mail. Attendez, je vais voir ici. Nanana. Option. Je sais plus comment faire. Donc est-ce qu'on peut lui parler au petit quand même? Oui, on peut lui parler. C'est bon, j'ai mon appareil. Faut que tu nous remettes vite le jus. Prends un max de photos d'animaux, mais fais gaffe au vorax qui rôde dehors. Avec le bouclier éteint, il vient beaucoup plus près. Est-ce vous croyez que je peux le prendre en photo, lui? Ah merde, mauvais cadrage, je sais pourquoi. Comment on fait? Oui, c'est vrai. Parce que faut le voir de devant. Voilà. Il est où, mec? Il est là. Comment ça, mauvais cadrage? Adresse-toi au pire
c'est mieux. Espèce non répertoriée, matière organique. Allez, on prend la photo. Homo sapiens. Mais non, mais franchement, ça doit exister des chewing-gums Kirby. Mais oui, je pense au... comment ça s'appelle, oui. Le recensement avance. Merci encore. Oh... Allez, 200, bim, c'est parti. Au Japon, ça doit exister, je pense, c'est sûr. C'est bon, Yad. Il transfère les fric à ces minables d'Optima Service. Ok, parce qu'il me manquait 350. C'est ça, il m'en manquait 350 et bim, j'ai les 350. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Et voilà, on a retrouvé l'électricité. Ok, il y a un activé. Ouais. On va prendre en photo tous les animaux. Jade, je vais voir au hangar si tout fonctionne. Ok, d'accord, Paige. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jade, reportage. M disque de mission en attente. Okidoki. Ça m'en fait 3 bouffées que je sais toujours pas. Ah, il veut peut-être avoir la touche. 2, 3, d'accord. Ah, c'est A. Ok, d'accord, c'est A pour manger. Ok, c'est bon, j'ai bouffé. Donc c'était ça, ok. Vous croyez que ça, c'est à prendre en photo? La poupée? Non. Mais oui. Donc c'est un mauvais sapiens. Un mauvais sapiens. Un homo sapiens, c'est ce truc. Homo sapiens aussi. Donc là, c'est que des trucs que j'ai, oui, déjà. Il veut quoi, lui? Bonjour. Tu veux bien nous dire ton prénom? Zaza. Ça va pas trop, tu penses à tes parents? Tout le temps. On te souhaite tous la bienvenue, Zaza. Bonjour, Zaza. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, on a un Starkos, on a un deuxième Starkos, et un troisième Starkos. Voilà, donc on en a 5, putain. Alors, est-ce qu'on peut sauter? Non, ça c'est pour courir. Alors, il veut quoi, lui? Keep. Tu t'occupes bien de la nouvelle, hein? T'inquiète, on la laisse pas tomber. Mais là, je crois qu'elle veut être encore un peu tranquille. T'es génial, Keep, merci. On va essayer de parler un peu à tout le monde dès qu'on peut. On trouve quelqu'un, on peut lui parler. Ça va mieux, Fen? Ah, on les a bien eu, les Domzins. Quand je serai Book, je ferai la section Alpha et j'irai tuer tous les Doms qui ont pris mes parents. Ah, je peux le prendre en photo, c'est un Book. C'est pas un homo sapiens. Après, là, je prends en photo. Je l'envoie au centre scientifique. Merci encore, Jade. Putain, 350. Bim! Qu'est-ce que tu veux? C'est qui le boss ici? C'est Bibi. Non, je vais pas sortir tout de suite. Parce qu'on n'a pas visité de... On n'a pas fini de visiter la maison. On n'a pas visité en haut. Lui, genre, on lui a pas parlé à lui. Bonjour, le bouclier est activé. Heureusement que t'es là, Jade. Ah d'accord, il me dit juste ça. Si on lui avait déjà parlé, c'était à lui qu'on avait dit que... Ah non, ça on ira après. Oui, parce que j'aime bien, comme vous savez, dans les jeux vidéo, quand je joue, j'aime bien tout visiter. Alors là, il y a l'espèce d'ours, là. Ah bah voilà, ça à prendre en photo. Les canis. D'accord, super, j'ai été voir ça, il n'existe pas. Je le répertorie. Mais c'est un jeu où les animaux n'existent pas. Ils ne sont pas obligés de tous exister. Les homo sapiens, ça existait au Moyen-Âge. Enfin, au Moyen-Âge, putain, la préhistoire. Link, si tu peux revoir ton histoire, ce serait bien. Et les musiques, elles sont superbes de ce jeu, putain. Oh my god. Ah, il y a encore des trucs à bouffer ici. Donc on se rappelle, pour bouffer, touche A. Ah, à la queue leu-leu. Donc là, c'est des bénounes, des bains. Ok. Ah, il y a un truc à prendre. C'est quoi? On va voir c'est quoi tout de suite, attention. Principe c'est bon, actif. C'est numérisé. Oh! Augmentation d'un cœur. C'est comme un réceptacle de cœur de Zelda. Donc j'ai bien fait de tout visiter. Encore heureux qu'on ait les sections alpha pour nous protéger. Courage, il faut tenir bon. Non, moi je vais parler à l'autre. Voilà, salut, oui.
Salut Jade, ça va mieux? Ça va, merci. Tu sais, c'est bizarre cette créature. Le monstre Dooms? Oui. On aurait dit qu'il se me connaissait depuis toujours. C'est ta mère. Est-ce qu'on l'a déjà cette espèce? C'est un Capra sapiens, on l'a déjà. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des trucs à prendre ici? Y a rien à prendre. Donc on ressort d'ici, on va aller là-haut. Où je voulais aller. Ah, les chargements. Vous avez vu les chargements quand même dans ce jeu? Alors que le jeu il date 2003, ils sont pas très très longs. Est-ce que je peux prendre des autres trucs en photo? Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc en haut. Vous croyez que je peux le prendre en photo? Genre une mouette. Ah merde, trop loin. Shit. Vous croyez que la mouette? Voilà, j'ai la mouette. Un Larus Albus. On le voit, la voit même pas sur la photo. Je sais pas comment on a pu. Le dos est lent. Bien putain, joué. 400. Oh là, je me fais du flouze. Ah, pour commencer là. J'ai du flouze. Ah, go go. Et là maintenant, je peux le prendre. Il est plus trop. Putain, il s'est barré, enfoiré. L'enfoiré. Non, je vais attendre ici. Comme ça, je vais pouvoir bien le niquer quand il repassera. Voilà. Mais comment ça, trop loin? Tu te moques de moi, jeune. Mec, il rage, c'est bon. Et là, s'il est trop loin, c'est qu'il y a un problème. Parce que je suis en dessous. Je l'ai vu passer, non? Allez, s'il te plaît. C'est pas ton chieur? Ah, mais il passe, je le vois pas d'ici. On va essayer de se mettre là. Voilà, ici. Et là, je pense que c'est bon, là. D'accord, ok. Mais ça, trop loin, mais trop loin, mais... Mec, il rage. On va le prendre plus tard, c'est pas grave. Il va bien nous péter les bonbons ce truc là de mes... Ah, on peut même voir les constellations, mais je savais même pas. Constellation du cochon, nof. Nof. Il était là le truc. Bon, on s'en fiche de ce truc. Merde, on verra ça après, plus tard. On va rentrer à la maison. Si j'arrive à retrouver comment on sort d'ici, voilà, j'ai trouvé ici, hop. Et on va continuer le jeu parce que vous êtes là pour voir de l'action et pas d'un mec qui fait n'importe quoi, voilà. Alors je n'ai pas besoin de manger parce que j'ai toute ma vie. Alors j'espère qu'il y aura d'autres animaux à prendre en photo ici. Ah bah oui, il y a un autre animal, regardez là-bas. Il est trop loin mais il y a d'autres animaux à prendre. Ce truc là. Putain, mais ils sont casse-couilles. Fais coucou à la caméra, s'il te plaît. Coucou à la caméra. Un priodonte campestris. Tatou des champs. Ils sont de plus en plus rares. Et bim, 150, c'est pour Bibi et je suis à 1000. Et encore deux photos et j'ai le meilleur objectif. Il y a un pingouin. Il y a un pingouin. Ah non, c'est pas un pingouin, merde. Zaza, trop petit point, surtout fais comme chez toi, il reste à manger dans la cuisine, non? Merci, il n'y a plus rien, j'ai tout bouffé, enfin j'ai tout pris. Est-ce qu'on peut prendre Zaza en photo? Est-ce qu'il a été répertorié ou pas? Ouais, c'est un homo sapiens, c'est ok. Et la fille avec les cheveux bleus là-bas? Attendez, les lucioles, est-ce que... Voilà, j'ai la luciole, j'ai l'Empyris campestris. Des lucioles, super. Putain, 300. Je me fais de la thune. Est-ce qu'on peut... Non, il y a des murs invisibles pour nous empêcher de tomber. Alors ce tatou, si je me rappelle bien, on l'a. On est d'accord?
On va pas me dire le contraire. C'est ça. Elle fait quoi? Elle est morte? T'es mort? Vous êtes mort? Vous êtes mort? Non, ils dorment. Ils doivent être en train de dormir. Il y a le duo moche qui se sépare. Ah bon? Non. C'est une blague. Ils se séparent. Merde. J'ai envie de quitter l'appareil photo. Jade, reportage. M-disque de mission en attente. Ah mais il y a un truc ici que j'ai pas vu. Ça c'est quoi? Bouclier désactivé. Oups. C'est-à-dire que les monstres vont revenir. Et les monstres qui reviennent... Ça va pas être ouf. Bouclier activé. Mais moi j'avais pas envie que le duo Smosh se sépare. C'était marrant. C'était marrant. Ça va fermer la porte. Ouais, on est d'accord. Lol. Donc on va suivre ce truc. Ce drone personnel, et on va dans le hangar. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Là, je sais qu'il y a une énigme, si je me rappelle bien. Alors, atelier de Paige. Ah, c'est toi, Jade? Oui, c'est moi. On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jade Reportage & Co. Si tu peux le lire maintenant, ça permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est! Hier, on va pouvoir insérer, enfin lire notre disque. On va le prendre. C'est scanné. Alors j'en ai un deuxième là. D'accord, c'est un truc de sauvegarde. Et là on a le doc monsieur de Castellac. On va prendre celui de monsieur Castellac. Bonjour mademoiselle. Je suis mandaté par monsieur de Castellac. Ok. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'Îlot Noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Ok. Tu le connais, ce de Castellac? Hein? Faut pas y aller, Jeanne. Il a peur. Chapeau le traquenard, c'est trop dangereux. Ma tout est bloc ou quoi? On a besoin du fric pour se protéger de ces merdas de d'hommes, tu comprends rien là? Je te dirai après le... Je te dirai ma réaction après, bah le... la cinématique. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au masque. Et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel. Jade, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu. Heureusement que je suis là pour tenir tout en ordre dans cette pareille filon. Ah oui, pour tenir tout en ordre, il y a le truc qui... Alors, je disais, par rapport à la... Ok, ah, ça moche. Marche, on est à nouveau connecté. C'est vraiment dommage parce que j'ai mis beaucoup... J'ai mis beaucoup cette... j'ai mis beaucoup cette... ce duo. Ta gueule. Allez, on va... Regarde la télé. L'ennemi d'homme s'affranchit des champs protecteurs et s'est infiltré dans ta cité. Chaque jour, il frappe dans l'ombre. Un ami, un frère. On s'en branle, merci, au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir ici? Il n'y a pas d'M-disque. Donc on va pas sauvegarder tout de suite, parce qu'on a encore le temps. Et que ça fait à peine une demi-heure que, enfin un peu plus d'une demi-heure que je live. Alors tab pour consulter le nouvel objectif. Ok, Îlot Noir.
Rencontre monsieur de Castellis à l'île noire. Pousse le générateur de secours pour recharger l'Overcraft. Ok, zoom. Ok, d'accord. J'essaie de comprendre un peu plus le sac. C'est quoi ça? Je pique des trucs, je sais pas c'est quoi. Des capsules de boost multipliées par 3, la vitesse max de votre Overcraft, temps limité. Touche 2, 3, sélectionnez, touche A, utiliser. Ok, ok. Donc ça sert à booster notre Overcraft. Et ça c'est quoi? Restaure d'une clé la chose de votre véhicule. Ok, d'accord. Ça c'est cool, les POD. POD. Alors, diagnostic? Heureusement que les sections alpha sont arrivées. Je me méfie de ces types. Toujours là au bon moment, comme par hasard. Tu recharges l'Overcraft? Ah, les sacs sont à plat. Et ce foutu générateur est mort. Tu peux pousser. Tu peux commencer à pousser le générateur de secours, s'il te plaît. Je deviendrai t'aider. Ce monsieur Castelli qui tombe à pic. Oui, oui, c'est sûr. Donc, faut que je pousse les générateurs. Attends! Mais pas un tour de rein, bon sang! Tu m'aides à pousser, merde! Jade, reportage Enco a vraiment besoin de renflouer le tiroir, caisse. Par là, à mon avis, ça bougera plus. Voilà, ça c'est fait. Ah merde, non, je me suis gouré. Fallait mettre de l'autre côté. Un petit coup de main? Ah bah oui. Go. Je suis con, fallait mettre de l'autre côté. Comme ça, ça va les deux, voilà. Et ben voilà. Ça a marché. Ok, c'est parti. On rentre dedans. Si tu veux mon avis, cap sur le garage, Mamago. Parce qu'il fait des pfff, on arrive à Ibis. Oula, elle est pas en forme l'Overcraft. Faut tenir jusque chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. Alors il faut aller où? Alors, on peut tirer, voilà. Hey! Eh ben ça y est, fini. En rade. Eh merde, on est en rade. Oh, maudit Rafio! Et le garage qui est même pas à 300 mètres! Mamago, dépannage, service! Viens te chercher, sans le vis! Mamago, dépannage, service! Salut mec! Alors oh, c'est putain. Quoi ton problème? Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago! Mamago! Hé, ça marche! Ouais, c'est surtout efficace pour appâter le client! Si, non, je peux pas aller ailleurs. Mamago. Garage Mamago. Oh, faut sortir de cette boîte de conserve, Jade! Oh mon dieu. Oh, ça commence à sentir le jambon fumé. Voilà, on est chez les mecs. Alors, on va parler à lui. Salut Sam! Salut Jade, contente de te voir, je m'inquiétais. Les météores d'Ombre se sont tombés chez vous hier, non? Vous avez pu vous planquer, j'espère. Et tes petits protégés, ils vont bien. Et la dernière, elle s'est adaptée. C'était chaud, mais ils vont tous bien. Merci, Sam. Écoutez la musique. Je vais couper mon micro exprès. En fait, merci de nous avoir envoyé des pneuses. Pas de problème, Jade. C'est bien normal, il faut s'entraider entre voisins. T'as une météore d'Oom qui est tombée ici aussi, non? M'en parle pas, Jade, presque tout le stock parti en fumée. Cette guerre, c'est une calamité. Je peux faire quelques emplettes? Bien sûr, Jade, fais comme chez toi. Mais rappelle-toi, notre maman n'accepte pas que les perles. Ah merde, quittez. Je dois pas avoir de perles.
Hé hey Jade, tu le crois ça? Un météore d'hommes nous a bousillé la boutique. Regarde là-haut. Oh là, le lag, merci. Pourquoi ça lag autant? Alors on va lui parler. Salut Babacure, salut Jade, comment vont les affaires pour toi? Il y a tout boulot chez Jade Reportage. Ça va mieux, c'était plutôt calme ces derniers temps. Et là, deux missions en même temps. Bonne chance à toi, Jade. Attaque Gloomzir, pas trop de dégâts. Ah, on n'a pas eu le temps de déployer notre bouclier. Heureusement, Mamra, Ilié et Issam vont bien. C'est essentiel. On est d'accord. Y'a rien ici, ok. Super. Alors, pas besoin de 1000 disques pour l'instant. Oh, Jade. Pose-toi une. 1500 unités, j'en ai que 1300. Tu vas te tuer à courir comme ça. Rhinocéros sapiens. Merci encore, Jade. Et ça nous fait 300, 1600. Ok, ta pellicule est terminée. Bravo, Jade. Je te transfère le zoom. Et bleu, j'ai un zoom. Et je réinitialise ta pellicule. Et bleu, je suis trop folle. C'est quoi maintenant que je gagne si je fais l'appareil photo? C'est une perle. Quand ta pellicule sera pleine, je te donnerai une perle. Cool, on aura le droit à une perle. Est-ce que c'est des perles de lait? Alors qu'est-ce que je peux lui parler? Salut Aiglier, tu aurais quelque chose pour requinquer notre Hovercraft qui se fait vieux? Tu as bien fait de passer, j'ai exactement ce que te faut. Un moteur de Speedcraft pour une perle seulement. Tu n'as qu'à déposer les perles dans le réceptacle juste à côté du moteur. Accroche-toi, tu vas sentir la différence, Jade, je te le promets. Ouais, j'essaie de prendre la voix un peu d'un mec, mais j'y arrive pas. Et en plus, si jamais t'as des problèmes avec, il est très facile à réparer grâce aux pods. Les pods? Les petits opérateurs de dépannage. Tu verras, c'est très pratique. On en vend dans le distributeur juste derrière. Ok, bah je vais prendre ça alors. On va poser la perle qu'on a gagnée. Voilà, c'était le monstre Doom du phare qu'on a à pouf. On l'a vendu. Et on a droit à ça. Issam, un moteur Speedcraft à monter. Un moteur Speedcraft, ça roule. Ce jeu, il est barré, putain. Perfecto, c'est scanné. Maintenant, avec la touche espace, je pourrais accélérer, c'est cool. Alors voyons voir ce qu'on peut acheter. Même si je sais que là j'ai pas assez. Vu qu'il faut 20, 30, 50, 30 perles. Oh putain. Si t'as ça, 30 perles, waouh. Je sais pas pourquoi il y a des petits lags dans le jeu là. La radio annonce une nouvelle attaque. Soyez sur vos gardes. T'inquiète. Ce monsieur de Kassalek, il tombe à pic. Oui, oui, c'est sûr. Il faudrait vraiment qu'on refonde un tiroir caisse. C'est sûr. Tu sais, Mingzhu, il vend toutes sortes de détecteurs dans sa boutique pour les animaux, pour les perles. Ça nous aidera sûrement. Pas besoin de remontant pour lui. On y va, go. On est reparti. On y va. Alerte générale. Alerte générale. Déployez les boucliers. Il attaque les bateaux. Il faut les défendre. Oh shit. Il tire sur les pêcheurs, Zad. Ça commence bien. On a à peine le nouveau moteur. Je le répare, ne vous inquiétez pas. Le laisse-moi filer, Jade.
c'est le serpent de mer Dooms. Voilà. On a une nouvelle perle. Hé, hey, Jade, un banc de rascasse bleu. Sûr que ça peut intéresser le centre scientifique. Oh, c'était joli. Bleu. Rascasse carilus. Allez, bleu. Famille des scorpénidés. Très délicate à photographier. Eh ben, j'ai réussi à photographier. 1900, c'est gentil, merci beaucoup. Hey, vous vous trompez de cible, les gars. Souris. Tape pour lire. Oh, on a un message. Mademoiselle Jade, Monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'îlot noir, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Merde, j'avais un truc à faire. Mademoiselle... Ah non, d'accord. Donc la carte. C'est gentil, Snake. Merci, salut. Ça va bien? L'îlot noir, c'est par où déjà? Porte sud, droit devant. Allez, c'est parti. Ouais, parce mais que sur la haut. Les météores d'hommes ont traversé le bouclier. Parce que oui, c'est vrai qu'on que. Sois super prudent, Jade. Les attaques s'intensifient. C'est Tetel qui live sur la haut, pas sur ci. Oh. Merde, c'est par où? On va aller plus vite. Oups. Et on arrive à Ilis encore une fois. Terre en vue, capitaine. Îlot noir, droit devant. Tape pour lire. Appel à témoins. Les traîtres du réseau Iris se terrent quelque part sur Ilis. Forte récompense pour toute information. Bah moi je vais très très bien. Je suis vraiment très heureux de retourner sur ce jeu qui m'a. Est-ce que je vous ai pris en photo ces trucs? Oui c'est bien. Monsieur de Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Les sections Alpha prétendent repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. On est d'accord. Des monstres Doms ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. Ok. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms.
Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Are you ready? Est-ce qu'on peut le prendre en photo, ce monsieur? Permettez-moi de vous prendre en photo, monsieur. Ah bah d'accord, on l'a déjà. Est-ce qu'on l'a à Page? Non, on n'avait pas Page. On le prend en photo. C'est un sus sapiens, ok. Bravo, Jade. Et ça nous fait 600. Allez, plus d'argent, plus de monnaie. On peut pas rentrer dans la voiture, non? C'est dommage. J'aurais aimé rentrer dans la voiture. Y'a pas des... Merde, des bestioles de merde qui volent là, non? Y'a pas l'air, c'est pas grave. On commence à y aller. Bonne chance. Et souvenez-vous, monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Oh putain, l'enfoiré. Oh, les a déjà, merde. On lui a déjà statué, si je me rappelle bien. C'est ça, on l'a déjà. C'est parti! Ah bah non, c'est pas parti. Il y a un truc au-dessus. Comment on fait pour y aller? Ah, peut-être c'est avec ça. Non, ça vous apporte tout. Vous levez tout de point. Eh bah non. Mais moi j'ai envie d'aller là-haut là. Comment on fait, s'il vous plaît? Action E. Ok. Ah non, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. C'est juste pour qu'ils se mettent sur le truc. Ok. Là-bas, il y a quoi? Il doit bien avoir une ou deux espèces à photographier ici, non? C'est con qu'on puisse pas sauter ou alors je connais pas le bouton de saut. Ça, c'est pour se baisser, ouais. Comment elle a fait pour sauter? Comment j'ai fait pour sauter? Putain, le mec, il essaye d'a... Alors, on va prendre ça en photo. On voit que, putain, je sais plus comment on fait pour... Il est recensé. Bonne chance pour la suite. Merci. Et 400, c'est pour Bibi. Putain, comment on fait pour sauter déjà? Je viens de sauter, mais je sais pas comment j'ai fait. Je me rappelle plus. Il y a de la bouffe. Ça m'en fait 7. Ah, il y a un truc... comment ça s'appelle? Un boost. Et je peux faire une action. C'est parti! Il va faire quoi? Il va pas détruire un truc quand même, si? Oh, là, ces trucs sont... Je suis pas outillé pour ça, moi. Merde. Tu peux te parer, s'il te plaît? Non, il me faudrait un pince coupante pour ça. On dirait que c'est le chemin principal vers le fond de la mine. On reviendra. T'inquiète pas, à mon avis, quand on tombera dessus, on comprendra pourquoi il n'y a pas de dessin plus précis. Ok, d'accord, go. Bah, dégage, putain, il me bloque le passage, enfoiré. Donc, comment j'ai fait pour sauter? Je vais rester, attendez. Ok, tu cours et puis tu ça saute. C'est vrai. Ouais, putain. Faut que je me rappelle des touches, ça fait... J'ai joué quand j'étais petit à jouer. Mais là, c'est trop haut, c'est ça. Ce qui fait que je ne peux pas, ok. Donc, faut trouver une pince coupante. On va lui trouver, ces vers de terre. Direction Vimin. Ok. Ah, il y a des bestioles qui volent, là. Je l'ai déjà, ça. Ah non, je l'ai pas. Un Musca saprophagia. Merci, Jade. Les mouches sont injustement mal aimées. On est d'accord. 150, c'est pour Bibi. Ça me fait 3050. Yeah. Et j'ai bientôt la perle. Jade, viens voir, s'il te plaît. Quoi? Je crois qu'il faut que je te dise un truc. T'as une idée? Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. Ah. 2 ans de travail dans le plus grand secret. Ah, oh, c'est gentil. L'aboutissement d'une carrière. Ma petite merveille, les Jet Boots. Elles fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, 2 turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal, Jade. Oh my god, il vole. Chili con carne. Oh
putain, j'ai oublié mes crampons. Ah bah non, ça marche pas. J'ai eu qu'une carnet. Et voilà. Super. Un meuf qui s'en fout complet. Super. Ouais, bravo. Si tu veux une autre démo, je suis à ta disposition. À toi de jouer. Hey, et pourquoi tu m'avais caché ça? Oh, il fallait que je peaufine les derniers réglages. Touche plus à rien. Ouais, tu vas pouvoir passer, mon gros. Bien joué, Jade. De rien. C'est toujours un plaisir. Est-ce que c'est... Non, ce truc ne se prenne pas en photo. Analyse. Ah, maintenant j'ai le plan, mais c'est trop bien. D'accord, pour avoir le plan, faut photographier le plan. Ce qui est pas con du tout. Vous voyez le... Non, faut déjà prendre en photo. Ok, je suis trop proche. Il est con lui. Il est con de faire une pause. Superbe cliché. Ah merci, merci. Je suis un très beau photographe, de père en fils. Mais qui... Ça sert à rien, ok. Donne-moi ton signal, Jade. Maintenant. T'as vu ça? Ah d'accord, je comprends. Les Jetboots les fait sortir de leur gond. Ouais, mais fais gaffe quand même. Quand on les énerve, ils sont incandescents. Jade. Ah, c'est un passage secret, il y a des Starkos. Et il y a un boost. Un boost, putain, un boost. Allez, on continue. On y va. Et bim. Explosion. Est-ce que ce truc là je peux le prendre en photo? Oui. Un anémonia mutabulis. Méfiez-vous de ces anémones mutantes. Oh, 500, putain. Moi, je me demande vraiment que fait un cochon en vie alors qu'il devrait être transformé en saucisson. Non, tu ne bouffes pas, Paige. Il m'aide, comme tu peux voir. Ah, j'ai récupéré des cristaux. La banque centrale paye 5 unités pour chaque cristal de Materia. Un cristal de materia. Il transfère illico à la banco. Il paye mucho unité par caillou. Good, good. Oh, ça me fait 10. Aïe. Poussure-moi, morflenouille. Ah, j'ai eu des unités. Non, c'est bon, il est dead. Y'a quoi ici? C'est quoi ce truc là? Je vais pas y prendre en photo, ok. Ça va être des cristaux, on va essayer de taper dessus pour voir si je peux. Non, t'as pas besoin de remontant. Attention, on peut pas y toucher, ok. Alors là, je sais ce qu'il faut faire. Là, je pense, si je me rappelle. Il faut pousser ça. Pour que ça explose dessus. Mais j'ai faim. Ah bah si t'as faim, tu bouffes un autre truc que le cochon. Le cochon, il est gentil, tu le laisses. Ok. Regarde, il est tout mignon, le cochon. Regarde, dès que tu le prends en photo, il te fait des coucous. Regarde, tu peux pas bouffer ça. Tu ne peux pas bouffer ce truc, il te fait des coucous quand tu le prends en photo. Tu peux pas le bouffer, non. Regarde. Non, je ne bouffe pas un cochon comme ça, moi. Il est trop gentil, il est trop mignon pour le bouffer. Alors, faut bien viser là, environ à peu près comme attaque, ça. Jet boot. Putain, je suis trop fort. Ouais, je retourne sur l'autre, tu vois pas que pour live. Eh bah, merci.
Et à la prochaine. Sur Twitter, bien sûr. LOL. Merde, je peux pas casser ce truc, ok. Hop hop hop, on monte. Est-ce que c'est déjà pris, c'est... Je les ai déjà pris, c'était bien. Oh putain, il m'a fait peur plein de fois. Il est gras du ventre. Mais on s'en fout qu'il soit gras du ventre. J'ai une photo, s'il vous plaît. Merde. Merci. Mais le tue pas, s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'une photo de ce truc. Lâche-moi, foutu bestiole. Le mec, il y a son pote Crochak Velox. Il y a son pote les qui est en train de céder. Ne les approchez surtout pas. Il y a son pote qui meurt, mais tout ce que je fais, c'est une photo. Tout va bien. Merci. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il était mort. Wow, tu m'en veux ou quoi? Ah non, je vais attaquer le truc. Je t'en veux pas. Oh, des cristaux. Il est mort. C'était quoi ça? Il est sorti d'ici. Il y en aura d'autres, Jade. D'habitude, ils s'attaquent à deux ou trois. Ah, d'habitude, mais... J'arrive, Jade. Merci. Je vois plus du tout où je suis. Ok. Si, si. Allons-y. Parce que je sais pas du tout ce qu'il fait. Pas la peine d'insister. Oh mon dieu. Ça va. Y'a pas plus de peur que de mal. Et y'a pas un truc là. Si y'a un truc à faire, je le sais, mais je sais plus quoi. Ah si, y'a un truc à tirer là. Je l'avais pas vu. Oh putain, le mec il est bigleux. Ouais, là faut rentrer dans le truc qui est rempli de charbon pour aller là-dessus. Ok, c'est vrai. C'est quoi ça, c'est une perle? Ah non, d'accord. Boyau secondaire, what the fuck? On est dans les boyaux secondaires. Oh! Ah bah, super! Merci le cochon. Ah ouais! Non, calme-toi! Allez, je vais en prendre un photo! Ça voilà, j'en prends une photo signatia Urtica. Ah, ces petites méduses. Lumière parmi les ombres. Ah, de l'argent. Moi, tout ce qui compte, c'est l'argent. Okay. Ta pellicule est terminée. C'est bon. Pouh. Je te transfère une perle. Merci, c'est gentil. Et je réinitialise ta pellicule. J'ai une perle. Centre scientifique pellicule animaux 2. Non, c'est pour moi. On va voir, c'est quoi? Alicia Splendid. Elle est magnifique. D'ordinaire, les Alicia vivent dans l'eau. Ah bah pas là. Ah, c'est pour encore gagner une perle. Est-ce que quand je vois ta pellicule sera pleine, je te donnerai une perle. Donne-moi ton signal, Jade. Je vais prendre ce truc en photo. Qui est une Pelagia Pachydermis. Les grosses sont des mutantes. Prudence. Ah merde. 800, c'est pour Bibi. Ton signal, Jade. À toi de jouer. Laisse mon pote, tu laisses payer tout tranquille, merde.
quelque chose. Fort, là, non, non, pas du tout. Hein? Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime. Vieille mine, on part dans la vieille mine. Oh. Beaucoup de trucs ici, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. On devrait sûrement trouver un truc dans ce Clockabins. C'est quoi? Tiens, ça, c'est pour le spécialiste. Ouais! Une Baronco D53 modèle à percussion cisaillement. Je la prends. Je sais pas où il l'a mise, mais il a dû la mettre dans son cul. Un pince pas trop rouillé, elle doit pouvoir encore couper du métal pas trop résistant. Et j'ai un message. Ouvrez à lire. Les yeux. Les sections alpha sont les complices des Doms. Rejoignez le réseau Iris. Ah ah ah. Je sais pas qui croire. Dans toute cette histoire là. C'est plus trop qui croire. Y'a quoi dedans? Oh, c'est quoi ça? Un nouveau truc. C'est un. Oh, ça restaure toutes les urnes, d'accord. Ça restaure toute l'énergie, super. Et on a droit à un boost. Cette espèce, on est d'accord, je l'ai déjà prise. Je l'ai déjà prise, c'est bien ça. Y'a rien, un truc pour te sauvegarder. Y'a rien. Merde. Identification compte. Ok. Un Starkos régénère votre énergie d'un cœur. Ok. Alors, on va pas sauvegarder tout de suite. Je t'ai jamais demandé de faire ça, mais c'est pas grave. Du travail de professionnel. Et ouais. Pas de pitié pour les grilles. Où elle était déjà, l'autre du même genre, là? Pas plus loin. Et voilà, on a... Ah, merde. Je me suis dit on a une nouvelle carte, mais c'est toujours la même, je suis con. Est-ce que ça prend en photo ce truc là par terre? Ah oui. Spongius le Gluantus. D'accord. Ok, noté dans mes archives. Et 500 pour Bibi. Ça me rappelle la morue au kiwi et chocolat de ma tante Hortense. Un truc qui était dedans. Allez, d'accord, je suis pas fou, il y a un truc. Non, je peux pas le prendre en photo. Mais c'est nul. Putain, il faut attendre, d'accord, ok, bah je vais attendre. Et dès que je pourrai, photo. Allez, sors, fais pas ton timide. Je veux une photo de toi, s'il te plaît. Merde, trop proche. Ah, ce fail. Ça va, il le fait trois fois, donc enfin deux fois, puis la troisième s'il sort complet. Bim. Enix Rupustris. Félicitations. 500. Les données sur les mollusques sont rares. Ça me fait 8000. J'ai trop de flouze là, oh. On se calme les gens avec le flouze. Merde, ça c'est pour... Donc je sais pas où il faut aller maintenant. On a visité toutes les galeries. Faut fouiner, Jade. Fouiner partout. Ouais, bah ouais, je vois ça. Quand je dis qu'il faut fouiner boyau secondaire... On est reparti dans le boyau secondaire, super. Ah, mais on revient... Ah, d'accord, on vient d'ici. Putain, j'ai sursauté, putain. Les enfoirés. Ah, c'est bon, ils sont tous morts, super. On peut y aller. Je vais quand même voir la carte, parce que là, j'ai un truc qui me tracasse. On avait bien tout vu. Ok, ok. Merde, on va pouvoir continuer alors. Vu qu'on a tout vu. On est où là? Aucun dégât.
c'est moi où il y a des trucs qu'on n'a pas vu là-bas. Ah mais maintenant il y a une grille ici qu'on peut maintenant passer. Coupe-moi ça. Je vais me pousser pour qu'il puisse le couper. Clac clac clac. Et on est parti. Et il y a un distributeur. C'est tout. Ok, dans, on est dans un instant. Et pas pour moi, Jade. Ah d'accord. Ah si tu le dis. Il est trop gras. Hey, Jade, on reste ensemble, Mildew. T'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien. Ha. Ouais, c'est ça. Fous-toi de ma tronche en plus. Bim! Bourse, bourse, bourse. Ah, maintenant tu peux passer. Ah, bah non. Lâche-moi! Foutu bestiole! C'est vrai qu'il y a une attaque spéciale cette chat. Viens m'aider! Faire quoi, espèce de pointeur. Ah, ils sont tous morts. Merci, Jade. Sans toi, je crois que... Y'a pas de quoi, vieux Bresca. Allez, en route. Je sens que le meilleur est à venir. Ah, tu le sens, toi, putain. Pourquoi tu lagues comme ça, s'il te plaît? Maintenant! J'essaie de viser. Merde, je pense que... Ah non, c'est bon. Ah mais je me dis alors que... Reviens avec moi, vieux Briscard. Secondes. Ben bien sûr, mais je suis con. Je vais récupérer encore l'argent des abonnés ici. Allez. Voilà. Tout cet argent pour Bibi. Ouais, mais ça donne que 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, on arrive très vite à beaucoup. Allez, monte. Ok, on y va. Allez, go go go, Power Rangers. Faut que tu m'ouvres, Jade. Bah attends, attends, mais... Ah, oh, calme-toi. Très joli ici. Est-ce qu'il y a des trucs à piquer? Non, on peut sauvegarder ici, ok. On va aller ouvrir quand même. Bonjour madame, livraison de pizza. C'est vrai qu'il est truffé d'humour ce jeu. D'accord. Allez, viens couper ça s'il te plaît. Hey, tu coupes. Putain, mais il met 3 millions à couper. Voilà. Ah bah on est parti. Boyau principal. Oh c'est joli. Il y avait un truc là-bas que j'ai pas pu prendre en photo. LOL. On est tous LOL MDR. Oh, il m'a fait peur. Ah, il fait la prendre en photo ce truc. J'ai comme l'impression que t'as mis les pieds juste où il fallait pas, ma petite Jade. Ça prend en photo. Putain,
palin russe Rutupris. Putain, c'est incroyable. Encore des palinures russes dans la région? Faut croire. Je vais presque mourir. Ton signal, Jade. À toi de jouer. Voilà, merci. Miam miam. Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, ta pince multi-usage. Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Il y a des trucs que j'ai vus qui volent, qui font bloop. Nautilus fluorus. D'accord. Les coquilles de Nautil passionnent mes collègues mathématiciens. D'argent. Tiens. Mais non, il fallait merci. Pas. Putain, je suis arrivé trop tard. Ouais. Non, merde, c'est ça. J'ai appuyé sur E comme un con. Ouvre ça, allez. On tire, allez. On tourne. Est-ce que le but, ça sera d'ouvrir ça? Non, pas du tout. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Putain, il m'a fait. Allons bon, la autre chose. Un coin assez joli. Bonjour madame. Ok. Oh, il est mort. Bad. D'accord, ça va se réveiller ce truc. Si je me rappelle bien, ça se réveille. Non, ah non, c'est juste une note, d'accord. Putain, faut vraiment que je. Hey Jade, regarde. Les deux bestioles du fond. Tu leur tires le portrait, t'envoies le tout à l'eau de soif et on passe à la caisse. Et voilà, j'ai les deux. Dès que vous avez la photo des deux monstres d'hommes. Envoyez à monsieur de Castaldi, je... Splendide. Je transmets à monsieur de Castellac. Ah merde, j'en étais sûr. J'en étais sûr, je vous l'avais dit. Donc déjà, faudrait que je le prenne en photo encore une fois. Ah, c'est des trucs de merde. Terolimax Gigantea. Ok, super. Terolimax. C'est un animal d'hommes. 3000. Putain. Quoi de mieux? Je vais réfléchir. Mais comment on tue ce truc déjà? C'est parti. Thank you.
parti. Ah putain, ils envoient des trucs. Oh, tu m'en veux ou quoi? Dégage, je laisse moi tuer le boss tranquille, s'il te plaît. Merci. D'accord. Maintenant. Très très net, ce monsieur de Casteltruc. Ça me gratte, putain. Là, le voilà. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Mademoiselle Jade, vous avez brillamment réussi votre test en situation. Comment ça, un test? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris? L'organisation rebelle? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections Alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections Alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent, ils en font disparaître 10 autres. Ah d'accord, les bazars. Les sections Alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques d'hommes. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait pour des centaines d'autres. Le gouvernement Ilien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui? Oui. Et comment on peut faire? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple l'épreuve de ce complot, et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Bah, je pense qu'on va rejoindre le réseau.
réseau Iris. Rendez-vous à la Coudabar. Demandez Belmirek. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Belmirek, tu dis ? Ah, y a un décalage. À la Coudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave des courants. Mesure de sécurité ? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait, j'oubliais votre récompense. À très bientôt, Mademoiselle Jade. Alors, que pense Mademoiselle Jade de tout ce charagoyade ? S'il existe un moyen d'arrêter cette guerre, on n'a pas le droit de passer à côté. Oh, le décalage. Oh ! Autant ! 3000 ! Oh, il est gentil, monsieur Allah. On verra bien ce qui se cache derrière tout ça. Moi, il y a un endroit où je veux quand même aller. Avant de continuer tout ça. C'est toujours essayer de sauter ici. Alors, ça doit être plus tard qu'on peut aller ici, je pense. Mais on va aller dans cette grille-là, qu'on a vue là-bas. On se rappelle tous. Voilà, cette grille. Ah, ils peuvent toujours pas, d'accord. Il n'y a pas la bonne clé. Ok, d'accord. Ah bah, on va sortir d'ici alors. Et j'ai envie de dire, vu qu'on a terminé le niveau, si on peut appeler ça un niveau, on va sauvegarder ici, voilà. Ah, c'est vrai que j'avais déjà joué. J'avais déjà joué parce que... voilà. Voilà. Parce que pour tester, mais c'était il y a très longtemps, enfin. Voilà. Alors le but c'est d'aller à la vieille mine. Un truc comme ça, non Belmirette, tu connais ? À Coudabar, quartier piétons. Chez nous, cité, fabrique. Ligue noire, on s'en prend. Mama Bego. Putain. Course abattoir chez nous. Bon, on va aller vers la cité, on verra bien. Xero, les affaires sont bonnes pour toi. C'est dur. Il paraît que les rhinos Mamago font du commerce avec des perles. C'est strictement illégal. À l'abri dans sa coquille, la perle est esclave des courants. Oui, j'ai entendu ça, le mot de passe des terroristes d'Iris 1. J'espère que tu n'es pas des leurs, Jade. Je vais me prendre en photo, s'il vous plaît. Faites. Voilà. Un Varus Sapiens. Parfait. Je vais pouvoir lancer un backup. Merci pour le flouze. Ok, ta pellicule est terminée. Eh ben une nouvelle perle. C'est bon, je te transfère une perle. C'est gentil, merci. Et je réinitialise ta pellicule. Il y a encore eu 40 personnes enlevées cette nuit. Ouais, encore un coup des Doms. On va tous y passer. Dans le journal officiel, ils disent que c'est le réseau Iris qui est derrière tout ça. Ça m'étonnerait pas. Encore heureux qu'il y ait les sections Alpha pour nous protéger.
chiotte. Donc on ne veut pas prendre ce truc en photo, ok. Bonjour, tu viens t'engager. Ah ah ah, on t'a mal renseigné, petite. L'armée ilienne n'est pas encore des détachements minettes. Le Pyridum, c'est du sérieux. Il prépare une attaque massive pour bientôt. Une attaque d'hélice ? Affirmatif. Ok, s'il le dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du réseau Iris ? Jade, je te sens mal, ce truc, c'est vraiment dangereux. Paige, je reconnais, il faut qu'on se voit fixer. Il faut qu'on sache vraiment. Tu sais où on trouve ces belles mirettes ? Abu Dabar, quartier piéton. Ah, c'est ce qu'on fait, on part dans le quartier piéton. Ils ont bloqué la place de la fontaine. Avant, on pouvait circuler librement sur l'île sous prétexte de nous protéger des extensions alpha et nous parquent comme des moutons. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Ilis. Je dis le mot de passe à tout le monde, le mec. Voilà, je suis trop près, c'est sûr. Acquis Sapiens. Parfait, je l'inclus dans la liste. C'est bon, encore une perle. Alors qu'est-ce qu'il vend lui ? Bonjour. Avant toute chose, je veux qu'on se fasse affaire. Tu dois passer ta carte de crédit au décodeur setup pour identifier ton compte. Ok. Identification compte. Ok. C'est bon. Tu veux t'abonner à un journal ? Faut voir. Je peux te proposer l'heure officielle d'Ilis, information citoyenne Ilis Futé, bon plan promo et astuces, ceux qui Ilis Futé, Ilis Futé. Tous nos abonnements sont à 50 unités une année. Et ben, je vais en prendre. Ok, t'es abonné. Comme ça, je suis abonné aux deux. C'est bon, t'es enregistré. C'est un contre-pétri. Attends, c'est pas facile. Le colibri, je réfléchirai. Félicitations. Vous avez choisi de vous abonner à l'officiel d'Ilis, l'information citoyenne. Yeah, c'est trop bien. Là, j'ai un abonnement. Je suis content de moi. Attaque Doom, pas trop de dégâts. On a évité le pire. Les sections alpha ont repoussé l'attaque d'un serpent Doom. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Encore de la propagande? Non, c'est pas de la propagande. Ah, les gens direct. Oh, il y a une perle. Les Doms ont encore frappé il y a 2 jours dans le quartier ouest. Sans le courage exemplaire des sections alpha, le bilan aurait été encore plus lourd. La campagne de recrutement s'intensifie. Ok, c'était l'officiel d'Ilis, merci. Salut Nourri, salut Jade, un petit creux. N'oublie pas de mettre ta carte dans le décodeur, s'il te plaît. Identification compte. Ok. 3000 la perle. Eh ben, je me la prends. Comme ça me fait une nouvelle perle, voilà. Comme ça me fait 5 perles, je suis toujours très heureux. Identifier ok ce qu'elle a dit la machine. Pas de problème, serre-toi à ta faim. Tu connais le réseau Iris. Vous faites un travail incroyable. C'est pour vous que j'ai mis ma perle en vente. Bonne chance. Oh merci. Après j'ai plus rien besoin de rien là. Ah, peut-être que vous pouvez le prendre en photo parce que peut-être c'est une nouvelle espèce qui sait. À voir. Non, c'est. Alors, il y a un endroit aussi que j'ai pas vu. Ouais, là, ça va être de la balade. En haut du quartier, voilà, ici. Ah, bah, c'est ici qu'il faut aller. Hey, il fait un peu soif tout d'un coup. Tu trouves pas? Salut Chico. Salut Jade. T'as vu, il y a eu un nouvel arrivage de perles chez les Mingsu. À l'abri dans sa coquille, tu sais ce que c'est que ce truc? C'est le mot de passe d'Iris. J'espère qu'ils chasseront les 12. Ils ont emmené toute ma famille. Ah merde. Attaque Dooms n'est pas trop de dégâts, les sections alpha sont là. Les mecs qui croient trop le truc au sérieux, c'est interdit par la loi ça. Vous savez hein. Accès réservé aux personnes munies d'un City Pass. Oh shit. Pareil. L'accès est réservé aux résidents. Ordre des sections alpha. Ils sont casse-couilles.
Putain. Et mes potes qui m'envoient des messages sur, sur Snap, mais n'importe quoi. On se calme les gens. Je sais plus du tout d'où je viens. Ah si, je viens de là, ok. Ah ok, bah j'ai fait le tour, ok. Et ben on va aller au gogo bar. C'est parti mon kiki. J'espère qu'il y a un point de sauvegarde à Kubadabar. Salut Mo. Oh c'est beau. Salut Jade. Je viens voir Belle Mirette. À l'étage comme d'hab. Après dans sa coquille à beurre, si tu le dis, mais tu sais, pour les coquilles, il faut voir les belles mirettes. Oh, Paige, tu viens t'en jeter un petit? C'est moi qui régale. L'inventaire des animaux d'Ilis, yep, ça me fait dans les 100 à 3000 unités par photo. Pas mal, pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mis? Tu as mieux? Beaucoup mieux, Jade, beaucoup mieux. 3 petits points. Tu resteras muette. Écoute, moi j'ai passé l'âge, mais toi tu pourrais sûrement un trésor, Jade. Un trésor fabuleux planqué depuis des siècles dans les cratères d'un volcan. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Mais est-ce que je peux prendre en photo ce monsieur? Le barman. Eh bah oui. Un Taurus sapiens. Superbe cliché. 350, merci. C'est pour Bibi, c'est Bibi qui régale, merci beaucoup. Des problèmes? Non, c'est juste le tourbillon de moi qui est redoutable, mais tout va bien, c'est plutôt l'autre requin là derrière qui risque d'avoir des problèmes. Rufus? Oui, madame, je sais pas ce qui est trop vite, c'est la bouche, d'accord, je n'ai pas foutu de la claire, mais bien dit de faire son cire, c'est un énervé pour créer un truc sous son manteau, et il a monté à fond vers le KGB là-haut. Hein? Sans doute. Waouh! La musique de ce bar, elle est trop bien. Salut Francis, salut Jeanne, petite partie. Tu peux m'expliquer les règles? Bien sûr, c'est simple. Tu dois te débarrasser de tous les palais qui se trouvent dans ton camp. Pour ça, tu vises avec Nana et tu tires avec Nana. Il paraît que tu es le meilleur. Tu m'étonnes, personne n'ose plus parier contre moi. Des paris? Ah oui, j'accepte aussi de jouer pour rien, mais c'est moins motivant. Parie quoi? T'as la partie à 100 unités, t'empoches 200 unités si tu gagnes. Et pour 1000 unités, je mets en jeu ma perle fétiche. Il y en a beaucoup qui ont tenté, mais j'ai toujours pas ma perle, mais j'ai toujours ma perle fétiche. Ok, je veux bien essayer. Le meilleur gagne. Je vais juste te faire un entraînement pour commencer. Go! Je vais te... Ah
galère là avec ce jeu. Ouais, t'as perdu. C'est trop chaud. J'attendrai d'être un peu plus. Salut Seven, t'as dit quelque chose, Rufus? Moi, je comprends rien. Est-ce que le requin, je peux prendre? Tout faux. C'est un Carcharodon sapiens. Ok, il est recensé. Bonne chance pour la 400... suite. 400. Et lui, il a été recensé, c'est ça? C'est ça. Donc on m'a dit d'aller à l'étage. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. C'est quoi? Entrez votre code. Sauvegarder bah ici, oui, à coup babar, continuez, et voilà, donc c'était Link, merci à tous d'avoir suivi ce live, qui était vraiment cool, menu de démarrage, donc on se retrouve demain, bah, enfin demain on est jeudi, je sais pas, si on se retrouve jeudi, ça sera plutôt vers 22h, voilà, si on va dans le chargement, voilà, on a notre partie, putain, 1h35. Ça fait plus d'une heure 35 que je joue. Et donc voilà, c'était Link. Merci à tous pour ce live. Bon, attendez, je vais quitter normal. Oui, on quitte. Voilà. Je vais remettre. Je vais remettre ça. Et où attendre. Voilà. Donc, c'était Link. Merci à tous d'avoir. D'avoir assisté à ce live. D'avoir regardé là. La vidéo aussi, si bah vous l'avez, si vous êtes sur YouTube, voilà, merci à vous. C'était Link. À la prochaine, enfin à demain pour un nouveau live, enfin pour la suite de Beyond God and Evil. Le 2, c'est sûr qu'il sera fait. Voilà. C'était Link. Salut à tous. Bye bye.